Bonjour chers frères et sœurs. Certains partisans du PDCI-RDA et même d'autres personnes se demandent mais pourquoi nous nous intéressons aux décisions qui sont prises au sein de ce parti politique puisque nous avons, nous, notre parti politique, le PPACI. Eh bien, je voudrais dire à toutes ces personnes que le PDCI-RDA a conduit notre pays à l'indépendance. Le président Houphouët Boigny a jeté les fondements de l'administration ivoirienne, de la justice ivoirienne, de tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Et nous savons que l'administration est continue. Lorsque le président Laurent Gbagbo est venu au pouvoir, il n'est pas allé construire Mama. Il allait construire Yamoussoukro. Parce que c'est un démocrate et il a voulu respecter les projets, sinon la direction que le président Laurent Gbagbo a eu à imposer à la Côte d'Ivoire, les chemins qu'il a tracés pour le développement de la Côte d'Ivoire. On commence par prendre ce que nous avons reçu en héritage et on essaie de le parfaire. Mais on ne coupe pas avec ce que nous avons reçu comme héritage. Or, c'est ce qui se passe au PDCI-RDA. Je vais vous proposer cette vidéo du fils à Gabriel Dadier, celui qui était chargé de la propagande du président Houphouët Boigny, qui a été le premier citoyen français ivoirien. Celui-là avait soutenu le président Houphouët Boigny et ils sont allés de la base vers le sommet, c'est-à-dire qu'ils sont allés prendre les paysans qui sont les fondements de la Côte d'Ivoire. Et avec ces paysans, ils ont fondé le syndicat agricole africain qui est devenu par la suite un parti politique pour défendre les intérêts de toute la Côte d'Ivoire, de tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, la jeune génération, la génération après Houphouët Boigny, est en train de commettre une erreur monumentale. Parce que ce sont les bases de la Côte d'Ivoire qui sont brisées. Lorsqu'on parle des terres, sachez que si Ouattara est en train de récupérer nos terres, il est en train de briser les fondements de la Côte d'Ivoire. Parce que les fondements de la Côte d'Ivoire reposent sur l'agriculture, sur le syndicat agricole africain, sur la récupération de nos terres. Et nous sommes en train de les perdre par la faute du PDCI-RDA. Et certains disent non, c'est le PDCI-RDA, ne vous occupez pas de ce qui se passe là-bas. Non, nous devons nous occuper de ce qui se passe là-bas. Parce que ce sont les fondations de la Côte d'Ivoire qui ont été construites par le PDCI et tous les Ivoiriens d'ailleurs, parce qu'il n'y avait qu'un parti unique. Et tous nos parents ont participé à la formation du parti politique, du PDCI-RDA. Et notre argent est au sein du PDCI-RDA. Et lorsque des gens arrivent pour chercher à voler notre argent, nous devons nous en inquiéter. Mais la chose grave, c'est que les jeunes conduits par Tidiane Thiam sont en train de trahir cette administration continue, de trahir le président Houphouët, de trahir le président Bédi, de trahir le président Gbagbo, qui a œuvré pour que la Côte d'Ivoire soit aujourd'hui un pays indivisible. S'il n'était pas là aujourd'hui, la Côte d'Ivoire était divisée en deux à cause de Ouattara, à cause des rebelles. Il a été l'homme de la médiation, l'homme qui a permis à la Côte d'Ivoire de repousser les rebelles, l'homme qui a permis à la Côte d'Ivoire de discuter avec les rebelles pour maintenir la Côte d'Ivoire indivisible. Donc, ce qui se passe au PDCI-RDA nous intéresse à plus de titres. Et là, les cadres, les anciens du PDCI-RDA sont en train de commettre une autre erreur après Ouattara. Quand ils ont installé Ouattara, ils se sont dit, oui, celui-là va nous inquiéter, il va nous écouter. Mais maintenant, il nous inquiète. Il va nous écouter, il va faire notre politique. Et il disait, oui, oui, quand il est venu au pouvoir, soutenu par Yassé Philippe et autres, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait autre chose. Aujourd'hui, notre ancien Félix Dadier, fils de Gabriel Dadier, donne des conseils
à Tidiane Tiam, aux jeunes, mais ça ne les intéresse pas. Alors écoutez ce conseil qu'il donne à Tidiane Tiam, qui, au niveau de son visage, le langage gestuel et tout, nous montre que ça ne l'intéresse pas. Écoutez Félix Dadier parler à Tidiane Tiam. Et il est parti en France. Il était en France. Et comme il n'a pas été mobilisé vite, il a travaillé en France. Il a été posté en France. Et il a voulu devenir officier du génie civil. Donc il est parti faire un stage en France, à Tours. Et il a fait son stage là-bas. Et il devait devenir officier. Mais les Blancs lui ont fait comprendre que l'Africain, son grade supérieur, c'est être sergent. Donc il a fait son stage et il est resté sergent. Et donc il a été un peu dépité. Et en 1922, il décide, après 4 ans, de rentrer en Côte d'Ivoire. Il rentre en Côte d'Ivoire, citoyen français. Et vous savez ce qu'on raconte à l'époque? Comme il est citoyen français, il a voulu faire comme les Blancs. Il est parti prendre une blanche qui s'appelait Hortense Artaud. Il a voulu l'amener en Côte d'Ivoire. Les Blancs lui ont dit non. Tu passes, les braches passent, mais elle, elle ne passe pas. Deuxième coup choc. Il était, Gabriel l'a dit, sa fonction première, il était receveur télégraphique, télégraphiste. C'était son métier. Maintenant qu'il est devenu citoyen français, il demande aux Blancs d'être payés au même titre que les Européens. Les Européens refusent. En disant non, que les Africains, quel que soit le niveau, le grade qu'ils ont là, comme on dit là, même s'ils sont citoyens français, les Européens ont 12 000 francs, les Africains ont 6 000. Troisième déception. Alors là, là, il démissionne. Il démissionne. Et il devient, lui aussi, il devient exploitant agricole, planteur et transporteur. C'est là que sa carrière va commencer. Et comme c'était un citoyen français, un héros de guerre, tout le monde veut le voir. Le roi de l'Indonésie. Tu m'as mis dans une affaire, hein. Partout où je passe, là, les gens me disent, mais faut transformer votre syndicat en parti politique maintenant. Vous êtes connu partout, là. Il dit, bon, grand frère, on me demande de changer le syndicat en parti politique. Et même, il y a des Blancs même qui viennent de me voir pour me dire ça. Gabriel lui a dit, si je t'avais dit ça au départ, tu n'allais pas comprendre. Nous, là, c'était la finalité, Tidiane, c'est la finalité. Tu comprends? Si on t'avait dit cela, il dit, Gabriel Alia le dit, tu seras notre député. Tu me dis qu'il y a des Blancs avec toi, tout ça. Il dit, les Blancs, là, moi, je les connais, faut te méfier des Blancs. Il dit, tu auras toujours des Blancs avec toi. Tu auras toujours des Blancs contre toi. Mais ils ne vont jamais se battre entre eux pour toi. Jamais. Le camp qui a gagné, ce sont les Blancs qui ont gagné. L'autre camp qui a gagné, ce sont les Blancs qui ont gagné. Et il dit, moi je viens de France, j'ai fait la France là-bas, là. Rien n'est gratuit, tout se paye. Donc on va te rendre fort avant que tu passes. Selon vous, pourquoi nous constatons ce désintéressement des jeunes? Parce que nous voyons des visages gênés, crispés, d'autres qui se souffrent parce que le discours ne les intéresse pas. On critique les Français, on dit que tous les Français sont pareils et que les Français ne se battront jamais pour vous, les Africains. Ce discours ne leur plaît pas. Pourquoi? Parce que nous avons aujourd'hui, au sein du PDCI, des jeunes cadres qui appartiennent pratiquement tous à la franc-maçonnerie. Nous l'avons vu avec le défunt Ahmed Bakayoko, on ne peut pas être quatre sans appartenir à la franc-maçonnerie. Donc aujourd'hui, ces jeunes, sur le plan psychologique, sur le plan philosophique, sur le plan spirituel, ont des maîtres français. Donc ils font ce que les Français leur disent. Donc si nous attendons que ces derniers réagissent,
et se battre pour les intérêts de la Côte d'Ivoire, vous vous trompez. Parce que tout se décide dans les loges maçonniques. Pharmaciens, médecins, ingénieurs, tous ne peuvent avoir de la promotion, banquiers et autres, ne peuvent avoir de la promotion que s'ils appartiennent à la franc-maçonnerie. Donc ce discours d'autrefois du passé de Félix Dadier n'intéresse pas ces jeunes. Voyez qui pratique la politique du président Foïboigny, qui part de la base vers le sommet. C'est le président Laurent Gbagbo. Et écoutez ce jeune maire de Lakota nous dire comment Gbagbo, le président Gbagbo, forme les jeunes. Pendant que ce dernier est assis et on parle à son nom, et pour lui, il ne prend pas de décision, il ne parle pas, il ne propose rien au peuple, mais on l'a fait asseoir sur le trône du PDCI RDA. On va parler en son nom, on va dire ce qu'il doit faire, mais il ne fera pas ce que vous lui demandez. Nous, au PPACI, le président Laurent Gbagbo nous donne des vélos et nous demande d'apprendre à pédaler. C'est ce que le président Foïboigny a eu à faire pour porter le pays jusqu'à ce que, aujourd'hui, nous en soyons des héritiers. Quand il a choisi d'appartenir à la communauté franco-africaine, il a dit qu'il n'a pas encore les cadres, les moyens de développer la Côte d'Ivoire. Mais lorsque les jeunes viendront, ils ne vont pas faire ce qu'il a jeté comme fondation. Donc aujourd'hui, ces jeunes du PDC sont en train de trahir au Foïboigny. Parce que ceux-là ne se battent pas pour les intérêts de la Côte d'Ivoire, ils se battent pour leur poste, pour les noms emblématiques. Alors qu'au PPACI, même si nous avons combattu l'injustice qui était sous Fouet, parce que Fouet l'a avoué, il dit entre le désordre et l'injustice, il préfère l'injustice qui pourra être réparée. C'est cette injustice que le président Gbagbo est en train de réparer. Parce que le président Oufouet était conscient qu'il était quelquefois injuste dans certaines prises de décision. Mais il préférait l'injustice à la guerre ou des autres. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas laisser des jeunes cadres du PDCI-RDA être des assimilés, des personnes totalement soumises à la France. Et dire, ah, on est fatigué, nous sommes fatigués, on va essayer Tidiane Thiam. On n'essaie pas les personnes comme on essaie les pneus de voiture, ou on essaie une voiture, non. Vous avez voulu essayer avec Ouattara, voilà où nous sommes arrivés. Nous sommes dans le chaos, dans le trou, et nous n'en sortons pas. Aujourd'hui, vous voulez essayer Tidiane Thiam, mais ce serait le chaos total. Alors écoutez comment nous nous battons au PPACI. Écoutez ce jeune parler, parce que nous sommes démocrates et c'est le peuple qui est autour de nous. Ce ne sont pas des gens qui ont été achetés ou dont on a remboursé des dettes et autres qui vous suivent. Non, ce sont des gens qui adhèrent à la politique du président Laurent Gbagbo sans le moindre sou. Ces jeunes venus à Lakota, nombreux, sont venus pour les idées. Les chefs du village disent, nous sommes contents de voir le président Laurent Gbagbo sur nos terres, fouler nos terres, parce qu'il a des idées qui vont permettre le développement de la région, de la Côte d'Ivoire. Nous ne nous battons pas parce que c'est le plus riche qui est devant nous, Tidiane Thiam, et qui va nous payer nos dettes, qui va permettre à nos sous qui sont en France de fructifier. Non. Donc écoutez ce jeune maire parler. À travers ces fortes mobilisations. Est-ce que c'est Lakota de Gbagbo? Président, je voudrais à cet instant précis trahir un secret. Lorsqu'en 2002, en 2022, en avril 2022 précisément, après votre tournée mémorable dans le pays, ouais, vous m'avez fait l'honneur de me recevoir avec certains camarades. Et à ce moment-là, vous m'avez parlé de Lakota. Et je vous avais fait une promesse que l'occasion viendra, et elle est venue, où Lakota va vous démontrer son amour.
Et effectivement, lors de ces élections, Lakota a démontré son attachement à votre personne, mais aussi à vos idéaux. Monsieur le Président, en vous faisant la promesse de vous envoyer Lakota, je ne comptais pas sur mon intelligence, ni sur ma force, mais je comptais sur les liens que vous avez avec cette population et que vous avez tissés durant des années. C'est pourquoi lorsque le parti, le PPACI, m'a désigné comme le candidat, j'avais cette pression, la pression de réussir. Mais il est dit dans un proverbe africain que les bœufs, on les attache par les cornes, mais les hommes, on les attache par leurs paroles. Et je ne voulais pas déshonorer ma parole que je vous ai donnée. C'est pour cela que je suis venu. Et nous avons parcouru tous les villages, tous les hameaux, pour parler de notre projet. Et avec toutes les populations confondues, nous avons rehaussé et nous vous avons donné Lakota. Je suis heureux solennellement aujourd'hui de vous annoncer que toute cette population m'a fait élire maire de la commune de Lakota. Et je voudrais, Monsieur le Président, devant tous les cadres du PPACI et aussi du PDCI, parce que nous sommes une liste d'alliances, vous dire, Monsieur le Président, que encore à une prochaine occasion, Lakota vous démontrera encore son amour pour vous et pour vos idéaux. Lorsqu'il s'agira du combat des libertés individuelles, lorsqu'il s'agira de la liberté démocratique, lorsqu'il s'agira des élections transparentes, Président, vous trouverez Lakota toujours debout pour vous. Qu'est-ce que j'ai voulu vous montrer? C'est ce qu'on appelle l'étude comparative. Dans le cas de Tidiane Thiam, c'est l'ancien Félix Kabadie qui parle à son nom et qui parle pour lui, qui le motive. Pendant que au PPACI, c'est le candidat lui-même qui motive les personnes et qui cherche l'adhésion des personnes sans le consensus, sans consensus, à partir d'un vote. Et chacun décide, s'exprime. On ne fait pas taire des personnes pour imposer un truc, parce que quand il y a un consensus, il y a toujours un groupe qui est obligé de se taire pour laisser passer les gens. Lorsqu'il y a un vote, eh bien le meilleur gagne. Mais voilà que nous sommes dans l'esprit du PDC, dans le consensus. Alors qu'ici, vous voyez, Lakota, ce sont les populations, qu'elles soient autochtones ou halogènes, qu'elles soient Dida ou Burkinabé ou autres, qui ont voté le maire. Il a su les conquérir. Et ainsi, on jette les bases d'une Côte d'Ivoire qui s'entend, étranger, autochtone, on s'entend. Et on choisit quelqu'un qui va penser à tout le monde. Parce que les gens du RHDP vont dire, ne votez pas telle personne, parce qu'ils vont vous arracher vos terres, ils vont vous tuer, et on continue d'entretenir la peur dans le cœur des gens qui sont dans les villes et qui ne sont pas dans les villages. Parce que Ouattara a pris le temps d'enlever les Ivoiriens qui vivent dans la forêt profonde. Donc ici, vous constatez que celui-ci draine lui-même des foules. Alors, lorsque je lui dis que Tidiane Thiam n'a pas d'oreille pour le discours de Félix Dadier, écoutez ce qu'il répond à ces journalistes sur TV5. On lui pose des questions sur la Côte d'Ivoire. Vous allez voir qu'il nous dit que lui, il a déjà réglé cela au téléphone. C'est-à-dire qu'il a appelé les gens, vous voyez que les gens changent, l'Union européenne parle maintenant de paix, l'amnistie parle de paix. C'est comme ça que lui, il veut résoudre les problèmes de la Côte d'Ivoire. Et lorsqu'on lui demande, pose des questions sur la Constitution, que le Panzer Guillaume a demandé à Macron de se prononcer, puisque Macron est son ami, eh bien, lui, il dit qu'il n'est pas constitutionnaliste. Et vous allez voir dans sa troisième intervention, Tidiane Thiam parlait de toute décision qui vient
de l'Occident. Il va parler de Blair, qu'il a choisi comme homme de paix. Et vous allez comprendre que c'est un double, un jeu de rôle que jouent Tidiane Thiam et Alassane Ouattara. Écoutons-le d'abord dans ses différentes interventions, où il nous parle de comment il arrive à la paix. Il nous dit ce qu'il faut pour l'union et pour la paix. Il propose une solution, la double nationalité. Et il nous propose des solutions pour la paix, qui viennent toujours d'ailleurs, non de la Côte d'Ivoire. Or, le président a demandé à ce qu'il y ait un dialogue entre Ivoiriens pour arriver à la paix. Les étrangers ne vont jamais nous permettre d'arriver à la paix. Écoutez ces différentes interventions du diable. Emmanuel Macron, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, lui demande de se prononcer contre le troisième mandat d'Alassane Ouattara. Alors, dans de nombreux pays francophones, hein, 60 ans après les indépendances, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une crise de la bonne gouvernance. Est-ce une fatalité? Je crois que c'est notre destin et entre nous. C'est à nous de décider de ce qui va se passer. Et ce discours que j'ai tenu deux fois récemment et que je tiens encore aujourd'hui d'union, de rassemblement, est indispensable. Je crois que ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est ce qui divise. Et cette question du troisième mandat, évidemment, revient sans cesse sur la table. Et je ne suis pas constitutionnaliste. Je ne me prononcerai pas là-dessus. Ce que je peux dire sur cette question, c'est qu'elle divise. Ça, je pense que personne ne peut le contester. Et qu'il faut éviter de nos jours, dans des nations qui sont jeunes et fragiles, tout ce qui divise. Je réfléchissais en pensant à cette émission au président Fred Boigny et à une question que beaucoup ont oubliée, qui est celle de la double nationalité. C'est à ma connaissance la seule fois où il a reculé. Il avait proposé, dans le cadre du Conseil de l'Entente, que les ressortissants de pays membres du Conseil de l'Entente soient bénéficiés de la double nationalité. Et il y a eu une levée de boucliers en Côte d'Ivoire, notamment le président Yassé avait joué un rôle là-dedans, et à la fin, en 66, c'est une des fois où le président Houphouët a dit simplement « nous ne sommes pas prêts ». Et il a retiré, alors qu'il avait engagé tout son poids politique derrière ça, il a retiré cette mesure. Donc je crois que dans notre philosophie, il faut que nous privilégions l'unité et que nous évitions ce qui divise. La peur n'est pas un outil de gouvernement. L'Afrique a-t-elle les moyens de se relever de cette crise économique? Non, nous avons demandé à la réunion du G20, nous avons demandé 300 milliards de dollars, 100 milliards par an, et nous sommes encore loin du compte. Donc, beaucoup de chefs d'État africains, le président Macky Sall, le président Ramaphosa, le président Kagame sont des voix importantes dans ce débat. Quand on voit les ressources qui ont été dégagées, plus de 7 000 milliards de dollars aux États-Unis, les 300 milliards de dollars que demande l'Afrique sont nécessaires et raisonnables. Et merci de m'avoir ramené un peu sur le terrain de l'économie. Alors, pour les pays du Sahel, cette crise sanitaire est quasiment une triple peine, hein, parce que depuis 8 ans, ils sont confrontés à une crise sécuritaire. Et quelles sont les stratégies préconisées pour les accompagner? Car on voit bien que la solution militaire, pour l'instant, n'a rien réglé. C'est un sujet très difficile, mais tous ces sujets sont liés. Tout ce dont on parle là. Moi, je suis très focalisé toujours sur la paix et la sécurité. Le Premier ministre Tony Blair m'avait fait l'honneur de me nommer à la commission Blair avec une dizaine d'Africains en 2003-2004. Nous avons fait tout le travail qui a conduit aux remises de dettes de 2007-2008 à Gleneagles et j'étais en charge de paix et sécurité. C'était mon choix. Lorsque vous écoutez ces interventions, qu'est-ce que vous constatez? Grosso modo, Macron a cette politique. Nous, Ivoiriens, nous sommes comme les brebis, un troupeau. Et Ouattara est le berger mauvais qui nous tape pour que nous entrions dans notre enclos. Et l'enclos, c'est Tidiane Thiam qui va fermer tout et qui va nous enfermer. Alors, à lui, on a donné le fouet. Il nous tape. S'il y a une brebis récalcitrante, il va la taper, elle revient, elle vient, et puis lui, il nous pousse dans l'enclos. Voilà le jeu de rôle entre Tidiane Thiam et Ouattara. Voilà pourquoi Tidiane Thiam ne va jamais critiquer Ouattara. Donnez-moi un discours où Tidiane Thiam critique directement Ouattara sans passer par des tournures, où il critique Ouattara et sa politique. Rien. Il nous dit que les conditions ne sont pas réunies pour qu'on aille aux élections. Mais il ne nous dit pas comment réunir ces conditions. On dit Ouattara a violé la Constitution. Il dit qu'il n'est pas constitutionnaliste. On lui demande comment résoudre le problème de l'unité nationale.
Il nous dit que ça passe par la double nationalité. Donc il vient conforter le rattrapage ethnique. Et le rattrapage ethnique, les Ivoiriens autochtones n'ont plus de travail. On les donne aux étrangers, aux gens de la CEDEAO. Et maintenant, lui, il va venir donner la double nationalité, c'est-à-dire que pour être président en Côte d'Ivoire, on peut avoir la double nationalité. Voilà ce qu'il veut proposer dans la constitution ivoirienne. Donc vous pouvez avoir un président d'origine, disons d'origine libanaise, qui a eu la nationalité ivoirienne, un président d'origine chinoise qui a eu la nationalité ivoirienne, un président d'origine je ne sais pas quoi, qui vient d'un pays et qui a obtenu la nationalité ivoirienne. Voilà ce que Thiam veut nous proposer. Lorsqu'il dit il faut l'unité pour aller à la paix. C'est-à-dire l'autre nous frappe et lui il dit soyons unis. Et pour être unis, il faut qu'on ait des élections inclusives. Mais quand il parle des élections inclusives et qu'on enlève le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, qu'est-ce que ça veut dire? Et lui il n'en parle pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'ils veulent que des étrangers se proposent comme candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Il se bat pour lui-même, il ne se bat pas pour les Ivoiriens. Parce que s'il s'agissait d'élections inclusives et il luttait pour cela, le président Laurent Gbagbo, le PDC et tout le monde se seraient battus pour que le président Gbagbo soit sur la liste électorale. Non pas seulement le PPAC. Vous voyez? Et donc quand vous écoutez les jeunes du RHDP, vous comprenez que ceux-là nous invitent à la violence. Parce qu'eux, ils sont violents pour nous pousser à la violence, pour pouvoir mettre le pays en état d'urgence. Voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et je vais vous faire écouter le discours des jeunes du RHDP. Pour que vous compreniez que d'un côté, la France frappe, elle se tait. C'est eux qui ont aidé la Côte d'Ivoire à organiser des élections pour qui? Pour que Ouattara gagne. Parce que lorsque vous mettez de l'argent dans quelque chose, vous venez contrôler pour voir si tout s'est bien déroulé. Mais Ouattara a fraudé. Ouattara a utilisé la force. Et l'Union européenne se tait. Pourquoi? Parce qu'on veut que Ouattara soit là et qu'il travaille pour faire entrer Tidiane Thiam. Voilà ce qui se passe. Écoutez ces jeunes s'exprimer. Vous savez que le gouvernement va écouter à Pascal Afingessa et puis ils vont organiser ce séminaire-là. Vous savez ce qui va se passer? Ils vont aller à ce séminaire-là et ils vont aller sortir encore des choses. Ils vont aller s'asseoir pour dire il y a telle ou telle chose qui n'a pas été satisfaite. Et donc, on va organiser encore un dialogue politique à la primature avec Robert Bagué-Mambé pour venir retarder encore les Ivoiriens. Et donc, comme ils n'ont plus d'argent, ils vont réorganiser ça et ils vont aller parler de tout, sauf les vraies questions des Ivoiriens. Maintenant, quand ils vont sortir là-bas, vous allez les voir avec le sourire très large. Ça veut dire quoi? Ils ont eu beaucoup d'argent là-bas. Mais nous, on dit que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de réconciliation. Ce dont la Côte d'Ivoire a besoin, c'est les infrastructures routières, c'est l'emploi, l'employabilité de la jeunesse, c'est les centres de santé, c'est les universités. Et le président Alassane Ouattara fait très bien ce travail-là. Mais pourquoi on va aller se mettre en cause d'une affaire qui va nous retarder? Nous, on dit, plus jamais le président Alassane Ouattara va réfléchir. Va écouter ses opposants-là. Parce qu'à la fin, Guessa dit qu'il va dire la vérité au président. Nous, on attend qu'il vienne dire la vérité au président. Et c'est ça. Il faut qu'on nous arrête ça. On a organisé ici tout ce que vous pouvez vous imaginer. Mais est-ce que ça a permis aux gens de lancer des appels ou bien ça a empêché les gens de lancer des appels à partir de leur page Facebook en 2020 pour faire tuer des Ivoiriens? Mais il y avait le ministère de la Réconciliation, il y avait ce dialogue politique-là. Pourquoi ces opposants-là n'ont pas dit à leurs super-activistes que nous sommes dans une période de réconciliation? Le président Alassane Ouattara a demandé qu'on se réconcilie. Donc arrêtez les appels, à la révolte de vos vidéos. Mais ça n'a pas été fait. Les mêmes opposants, quand ils sortent de la primature, l'argent qu'on leur donne, ils prennent cet argent-là, ils donnent, comme on appelle, à la force tranquille, ils donnent à Fureux de Paris, ils donnent ainsi de suite à ces super-activistes-là, de faire des communications pour
faire tuer les gens. Et c'est comme ça qu'on a vécu. On a bravé 2020. Malgré qu'ils ont appelé à tuer les gens. Est-ce que nous, on n'a pas... C'est quelle communication nous, on n'a pas fait ici. Et donc, ils vont aller prendre encore cet argent-là pour venir financer les cyberactivistes à l'effet de faire tuer encore des gens en 2025. Trop, ça n'est de trop. Nous disons que nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et ceux qui vont se mettre dans cette posture-là, moi, je suis en train de parler au cas du RADP. Je parle au cas du RADP. Nous, on n'est plus prêts à subir ce que nous avons vécu ici dans ce pays. La Côte d'Ivoire est en marche. Allez-y traiter les questions au sein du parti. Quand vous vous trouvez un de vos cadres RADP, comment vous allez faire pour conserver le pouvoir? Comment vous allez faire pour aider le président Alassane Ouattara? C'est de ça que vous voulez parler, vous devez parler. Alors ces jeunes s'expriment pourquoi? Pour nous empêcher de faire comme les États-Unis du Sahel, formés par le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Voyez ce qui se passe, ce qui fâche aujourd'hui la France, qui fait qu'ils utilisent Ouattara pour nous mater chaque jour. Écoutez cette vidéo. La nouvelle monnaie est déjà prête. La fin du franc CFA au Sahel laisse Emmanuel Macron ému. La BCAO implore Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Tiani. L'Alliance du Sahel frappe puissamment, mettant l'Occident à terre. Macron, frustré, réprimande sévèrement la BCAO. Trop tard pour la France. Les changements majeurs irritent l'UE et renforcent l'Alliance du Sahel. One. Ibrahim Traoré propose une seule monnaie pour nous, rivalisant avec le dollar. Two. Assimi Goïta propose un seul passeport pour nous, abolissant les frontières sahéliennes. 3. Jel Tiani annonce notre propre agence de voyage, éclipsant Air France au Sahel. La terreur chez Macron, le désarroi dans l'UE, Poutine jubile. Voici de véritables leaders, la fierté de l'Afrique, l'alliance des États-Unis du Sahel. Quand nous écoutons cette vidéo, quelles sont les questions qui fâchent? Les questions de la monnaie, du CFA, les questions des bases militaires. Lorsqu'on vous dit on veut la double nationalité, mais il faut qu'il y ait un principe de réciprocité entre ces États, ces trois États. Il y a la réciprocité. Ce que tu fais chez moi, je peux le faire chez toi. Mais vous pouvez pas envoyer les gens du Conseil de l'Entente faire ce qu'ils veulent en Côte d'Ivoire et nous ne pourrons pas faire ce que nous voulons chez eux. Vous voyez, c'est un exemple, un modèle de réussite. Chez eux, ils ont une culture guerrière, c'est normal. Donc quand les choses ne vont pas, les militaires prennent leurs responsabilités. Chez nous, si vous utilisez le coup d'État, ça ne va pas aller de l'avant. Pourquoi? Il faut utiliser le coup d'État et être un dictateur. Et même quand vous êtes un dictateur, ne pensez pas que vous soyez dictateur, vous serez dictateur à vie, parce que celui qui offre plus d'argent à votre armée va vous avoir. Voilà pourquoi la Côte d'Ivoire ne peut pas suivre le sentier de ces trois pays. Le président Laurent Gbagbo avait l'armée. Et pourtant, ses soldats, ses généraux, ses officiers ont été corrompus. Ils ont abandonné le combat. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas compter sur un coup d'État pour aller, disons, nous libérer comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Nous devons utiliser la politique, amener les Ivoiriens à comprendre qu'il faut s'unir autour de quelqu'un qui est en train de se battre pour eux. Il ne s'agit pas d'être jeune pour dire oui, parce qu'il est jeune, il aura du succès. Non, Biden est plus âgé que le président Laurent Gbagbo. Donc aujourd'hui, il faut se mettre autour du président Laurent Gbagbo pour trouver une solution politique, parce que la force ne mènera à rien. Tous ceux qui vont utiliser les armes pour venir s'imposer à Ouattara, s'ils n'ont pas le consensus, s'ils n'ont pas le peuple avec eux, eh bien ceux-là seront aussi déposés parce que leur armée sera corrompue. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo parle d'une solution politique. Alors en gros, je voulais dire qu'on n'essaie pas quelqu'un. On ne peut pas essayer Thiam. On ne peut pas essayer Alassane Ouattara. Il faut laisser le peuple choisir son président. Et ainsi, on va entrer dans l'ère de la démocratie. Voilà le sens de notre combat. On ne critique pas pour des potins. On n'est pas là pour entrer dans la vie privée des uns et des autres. Ce qui nous intéresse,
c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire entre dans une ère démocratique où le meilleur gagne et non pas où celui qui a le consensus devient le meilleur. Non, parce qu'il y a toujours, quand on parle de consensus, il y a toujours des frustrés. Donc il faut passer au vote et laisser les gens s'exprimer. Voilà ce que nous attendons en Côte d'Ivoire. Voilà ce que le PPACI est en train de faire. Et le modèle de l'ACOTA est un modèle que le président Laurent Gbagbo a voulu proposer à tous les Ivoiriens. Est-ce que ce n'est pas beau de voir un peuple élire son maire et il y a la paix? Et les promesses faites aux uns, aux allogènes, aux autochtones seront respectées. Ce n'est pas beau, mais c'est ce que nous voulons à la tête de la Côte d'Ivoire. Pour que les étrangers vivent tranquillement. Pour ne pas que le comportement mauvais de certains étrangers suscite la colère chez les Ivoiriens parce qu'ils se sentent haïs, traqués dans leur propre pays, enlevés dans leur propre pays, mis en prison comme des terroristes, le cas des Sibiko. On n'en veut pas. Voilà pourquoi nous nous battons. Et donc, pour cette raison, si nous devons être enlevés pour être jetés en prison comme des terroristes, eh bien, nous continuerons de nous battre parce que nous savons que nous sommes sur le bon chemin et nous combattons le bon combat. Merci.